a une invitée exceptionnelle, Macha Merrill, que l'on est très très contente de recevoir pour le baptême de la passerelle hein, qui relie effectivement Michel Legrand et Jacques Demy. Là, c'était le moment de partage avec tous les gens qui souhaitaient venir. Et puis donc, tout à l'heure, les portes du théâtre vont s'ouvrir à 19h30 pour le maximum de Cherbourgeois qui pourra venir. Et donc, on vous a prévu une très belle soirée avec des chansons, des vidéos, Macha Merrill qui parlera sur scène, des photographies, enfin tout ce qui fait la richesse de l'univers de Michel Legrand. Et c'est une soirée, bien sûr, qui est gratuite. Les Parapluies de Cherbourg, c'est le début de la carrière de Michel. Il était déjà connu comme orchestrateur, comme grand arrangeur. Et tout d'un coup, il est devenu une star internationale. D'abord, il faut savoir que le film a gagné la Palme d'Or. Mais surtout, c'était une trouvaille, c'était une invention. Et tous ses confrères, même les Américains, tout ça, ont été ébahis par le travail qu'il a fait dans ce film. Parce que l'idée de chanter des phrases banales, comme si c'était un grand opéra, avec des musiques extrêmement savantes, des musiques importantes, c'était ça qui était intelligent. C'était un moment où nous nous sommes rencontrés, lui et moi. On est tombés fous amoureux l'un de l'autre, et c'était pas possible. Parce qu'il était marié, il avait deux enfants, dont un petit en bas âge. Moi, j'allais me marier. Et donc, on s'est dit non. Et il m'a dit cette chose extraordinaire quand on s'est quitté à l'aéroport, quand je l'ai accompagné. Il m'a dit, ça sera dans une autre vie. Donc, pour moi, les Parapluies de Cherbourg, comment vous dire, c'est mon film fétiche, c'est mon film totem. À bientôt sur tvie.tv.